Bambini de Bertrand Visage au Seuil est le type même du livre faussement simple. Une couverture attrayante, une histoire d'enfance et d'institutrice à Rome, de brefs chapitres portant les noms des personnages. C'est la rentrée à l'école Regina Elena dans un automne ensoleillé d'une agréable couleur ocre. La cantine est certes hors d'usage, mais quoi, c'est l'Italie. Plus ennuyeux, le rat que découvre le petit Marco dans une armoire. Giovanna, rousse marchande de journaux, héberge les élèves tandis que s'abattent les orages de septembre, tièdes et torrentiels. Les parents s'ennuient un peu, les premiers réfugiés albanais débarquent, et en football, c'est le derby de la capitale, le Lazio contre la Roma. D'abord, chronique attentive du quotidien, le roman se mue en évocation onirique. Roberto rêve de faire enlever Federica par un équilibriste, et Pierrot s'enfuit avec Giovanna vers l'Aquila. Au retour, elle est bel et bien enceinte et subit un avortement. Plutôt que de retrouver sa classe, elle reprend le kiosque à journaux de son père qui vient de disparaître.